وأضاء لي الدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء لي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين الحجة بن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أنتقني بالهدى والهمني التقوى Avant tout, je félicite tout le monde parce que jour, c'est les jours le jour, spécial, jour de radir radir c'est le Ayúdullah akbar Si vous regardez bien le mafati original, notre livre, on dit le saint livre. Pourquoi saint livre Parce que doha dedans et le doigt aussi, c'est les paroles sainte. Bon, c'est pas grave si on dit 5 livres livre, cela veut dire c'est euh, mafateh ul-jinan. Dans les mafateh ul-jinan, si vous voyez bien, je vous regardez bien, là-bas c'est le terme, beaucoup d'id. Par exemple, l'id fitr, c'est l'id qui est tout de suite après le mois de ramadan. Et l'id qurban, qu l'id al c'est l'id, c'est le dixième jour du euh, mois de, moi, de euh, vol hajj. Et les ID aussi, c'est les ID de Radir. Dans quelques jours aussi, ID de Moubahala qui vient. ID de Radir, c'est les ID pour, pour tous les Moukmenin. Ce terme-là, n'oubliez pas, parce que Radir, ce n'est pas pour les mécréants. Radir, c'est pour les Moukmenin. Parce que Hazrat Ali, c'est Amirul al ou C'est le chef des croyants. Cela veut dire chef des Moukmenin, c'est pour cela, c'est ID là, ID spécial pour les Moukmenin. Et à la suite des ayats aussi, je vous le disais, cette ayat-là, et je récitais devant vous quand même le ayat, qu'à à la suite, à la fin de ayat, Allah tabaraka wa taala dit: "Inna Allah la yahdi al, al kafirin". Cela veut dire il déradire, le problème de radire, ça c'est pas pour le mécréant, ça c'est pour mu'min, c'est mu'min qui est d'accord avec khadir mais le mécréant non non ils sont pas d'accord ils ont dit non khadir c'était pas vrai de toute façon félicitations à tout le monde félicitations avant tout à imam ezzaman à notre maraadjeh et taqlid maraadjeh et exam. félicitations aussi bon khadir inchallah bon on a parlé beaucoup de khadir et les oulamas tout ça ahl -e ils ont parlé aussi de khadir inchallah la prochaine fois on va rater beaucoup je sur cette euh, masala. Notre darse aujourd'hui, c'est les mots arabes. Euh, langue arabe, c'est très important pour nous. Pourquoi? Pour connaître le Coran et Majid. Parce que le Coran, c'est en arabe. Pourquoi le Coran en arabe? Parce que prophète, il était arabe, ça c'est un. Et ce n'est pas ça seulement. Parce que arabe, c'est la langue vivante. Et la meilleure langue dans le monde. Et la meilleure langue aussi dans le paradis. Parce que dans le paradis, si vous voyez bien le rivayat et le hadith qu'on a, dans le paradis, on parle l'arabe. Alors peut-être vous dites que bon, ici, ici, on ne connaît pas. Est-ce que là-bas, c'est automatique Oui. Moominine. De toute façon, ça c'est pour les mot ce n'est pas pour n'importe qui. Il faut apprendre l'arabe, c'est très important. On commence petit à petit et on a commencé quand même. Beaucoup de mots on a pris. Aujourd'hui, euh, on prend aussi un deux mots pour qu'on reste toujours avec le Coran et le Majid. Et on va essayer de prendre le mot dans le Coran et le Majid presque et les mots dans le ayat aussi parce que tout le temps on récite le ayat les sourates dans le coran le Majid. après on regarde ces mots là est-ce que dans le coran le Majid, s'il y en a un mot comme ça cela veut dire quoi le premier mot aujourd'hui c'est le mot Nukayevo. le mot Nukayevo. de toute façon le mot ce c'est pas d'origine comme ça comme ça euh, c'est le mot qui vient de kayyub mais ça c'est conjugué au présent. Je vais vous dire après dans quel ayat par exemple il y a des mots comme ça. Nous, les mots deviennent des qaïv. qaïv, euh, je vous donne une petite explication. Vous voyez le F, œuf on mange tous les jours. Bon, si on ne mange pas tous les jours, peut-être une fois par semaine, une fois par mois. Le F qui sort dans le poulet, par exemple. Ça, c'est œuf. Œuf, on mange pas tout. C'est que dedans, on mange. Cela veut dire, on casse le derrière F. Après, c'est que de l'eau soit jaune, soit blanche dedans. C'est ça on mange. Mais le mot caïve c'est le derrière œuf. Cela veut dire c'est qu'on mange pas si on, on casse comme ça c'est ça le kaïv en arabe. Pourquoi Allah ta'ala ta il utilise le mot kaïv? Cela veut dire quoi kaïv? Est-ce que c'est très important ces mots là? Alors quelquefois Allah ta'ala ta il donne exemple pour humains. Il donne exemple pour humains. Pourquoi Allah ta'ala ta il donne exemple? il donne exemple pour que il faut réfléchir parce que avec exemple allah tout le temps peut-être on est insain humain allah quand il parle quelque chose peut-être ce n'est pas clair pour nous surtout avec exemple allah quand il donne exemple ça va être clair ça nous aussi c'est la meilleure chose et la meilleure façon de parler c'est que quand vous parlez quelque chose donnez exemple ça c'est très important, surtout pour les professeurs, pour les euh, mualim, les euh, Dans le madrissa, il faut donner aux enfants exemple clair. Ici, Allah tabarak wa ta a dit est-ce que les mots nous ou cayd nous dans le Coran Imajid il y en a ou non Oui. Dans les surat Zuhruf, dans le Coran Imajid, il y a une surat qui s'appelle surat Zuhruf.

C'est écrit ici. J'ai écrit "noukaïevu" parce que même mot dans le Coran et On va essayer de faire ça parce que peut-être ça va pas clair pour nous que est-ce que le mot "noukaïevu" ça se devient de OUL... cette mot là. Le mot "noukaïevu" devient de Taïv. Mais ici c'est conjugué au présent, je vous le disais. Et ici dans le Coran et aussi, c'est venu le mot "noukaïevu". Je répète les ayat. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا على pourquoi شيطان يصير peut-être on ouvre les yeux que شيطان il vient dans cette ayat là peut-être que c'est grand ayat ça oui c'est grand ayat alors cela veut dire quoi je vais vous dire ça ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له Cette ayat là dans les sourates Zohruf. Allah Ta'ala ta a dit, Bismillahi r rahim Et qui compte sa veille et ses carte du rappel tout de miséricordie Allah Ta'ala ta nous lui désignons. Allah Ta'ala ta a dit, nous, nous lui désignons un diable, Shaitan. Cela veut dire diable, ça c'est clair. Attention, shaitan c'est autre chose, Iblis c'est autre chose. Oui, cela veut dire qualité c'est pareil. Mais l'Iblis c'est chef de shaitan. Iblis c'est qui fait, c'est autre chose. C'est pas comme chaitan, que qu'on attend tout le temps ici au Majalis, par exemple, Molana il parle de shaitan. Ça c'est petit shaitan, mais Iblis c'est le chef de shaitan. Le différent entre Shaitan et Iblis, n'est pas le différent corps, parce que le corps de Iblis et le corps de Shaitan c'est pareil, parce que Allah il a créé les Shaitan ou Iblis aussi, avec le feu, ça c'est pareil. Mais les façons, est-ce que c'est pareil ou non? Ce qui fait Iblis et ce qui fait Shaitan aussi c'est pareil ou non? Ça c'est pas pareil. Pour Iblis c'est plus. Allah wa ta wa a dit. Et qui compte. Sa Et s'écarte du rappel du tout miséricordier. Allah wa ta wa ta'ala a dit. Nous lui désignons. Un diable. Qui devient son compagnon. Tout le temps. Et compagnon inséparable aussi. Tout le temps avec lui. Ça c'est. En rahman Regardez le ayat. Wa man

Qayy, c'est le derrière du F. C'est que l'oursa, c'est sexa, ça, on, on s'appelle. C'est ça ce qu'on appelle Qayy. Ça c'est le premier ayat dans la sourate des Ocruf, ayat 36, à propos de, à propos de mot Qayy. Oùmen ya'ashu an zikr al-Rahman nukayy lhe shaytana, fahu lhe karin, fahu lhe karin. C'est qu'il est qu Zekr -khoda. Il ne fait pas Zekr et Il ne prononce pas le Zekr khoda Il ne récite pas le Zekr khoda Il ne faut pas laisser le Zekr... Tout le temps... Ça c'est la philosophie de tasbih. C'est ça... Tasbih Fatima... ça... Ou par exemple... Astaghfirullah... Qu'on fait après Namaz... Tout ça c'est Zekr khoda le, La ilaha illallah... C'est le Behtarin Zekr... C'est le meilleur Zekr... C'est... Euh, le mot... La ilaha illallah... C'est <coughs> le Zekr... La ilaha illallah, pourquoi le maire Parce que le hadith a dit le zikr, la ilaha illallah, c'est le zikr en cachette. Cela veut dire quand vous prononcez ça, quand vous récitez ça, euh, les gens ils connaissent pas que vous prononcez quelque chose. Là, Même les traductions, c'est grand chose aussi. Ça, c'est le premier mot aujourd'hui, Inch'Allah. La suite, euh, ça vient pour le prochain dars, Inch'Allah. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعة وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الرحمن وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعنجل نور وعجل فرجه على مر الزمان تألقا وأضاء لي الدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء لي